Eh bien, vieux motard que jamais, comme on dit. C'est vrai que là, franchement, l'expression est super bien choisie. Parce que, ah bah j'ai mis mon temps. Hein. Là, réellement, oui, ça a pris son temps. Mais cette fois-ci, ça y est, le rythme de croisière s'est enfin installé. On y est, c'est bon, c'est parti. Doucement, mais sûrement. Et puis surtout, bah voilà. Je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. On va se mettre sur cette fameuse plateforme internationale. Hein. YouTube, c'est quand même une visibilité différente. C'est quand même une mise en avant différente, hein, clairement, par rapport à Dailymotion. Il était temps de partir avec tout ce qui se passait, et je vous l'ai raconté juste avant. C'est vrai que j'avais vraiment l'impression de plus être soutenu réellement. Donc du coup, ce qui est bien aussi, c'est que en arrivant sur YouTube, je suis pas arrivé le bagage vide. J'aurais pu très bien faire un profil clair, net, précis, et voire même un profil en repartant de zéro. Alors c'est pas ce qui s'est produit, puisqu'en fait, j'avais déjà un profil à l'époque, et c'était le profil, le fameux profil où, alors il y avait déjà la vidéo de Sonic the Hedgehog 2, la toute première vidéo que j'ai pu mettre, et puis surtout les unboxings vidéo, les unboxings même plus précisément d'éditions collector de jeux et même de films. Bon, on va pas se mentir, c'était vraiment nul à chier, c'était nul, bah ouais, non, mais disons-le clairement, les unboxings ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Même si franchement, ça m'a quand même aidé à développer la chaîne à ce moment-là, parce que j'ai voulu en fait mettre à la fois mes tests de jeu sur Dailymotion, et ensuite je me suis dit, je veux développer quand même YouTube à côté, pour X raisons, on va dire par sécurité, et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de mettre les fameux unboxings d'édition collector. Ça a fonctionné, au-delà de toute espérance et au-delà de toute attente, ça a vraiment fonctionné. Avec des avis, alors là, pareil, très tranchés. Hein. Bon, vous avez vu tout, hein, avec des moments où je disais, j'étais déçu, hein, le fameux déballage de l'édition de Batman Arkham Asylum avec l'espèce de batarang en plastique. j'étais dégoûté ce jour-là, parce que c'était vraiment la découverte à ce moment-là. J'étais, mais vraiment deg. Ça a été le moment où, évidemment, j'ai fait le déballage du collector de Bioshock 2. Il y a eu Saints Row, il y a eu Assassin's Creed, il y a eu. Même Inception, le film Inception, je crois que je l'avais encore mis dedans. Le fameux truc de Batman avec les films à l'intérieur sous format raclette, ça aussi c'était quand même fort. Eh ben, c'est un appareil à raclette. Voilà, on nous a mis ça dans un putain d'appareil à raclette, quoi. Voilà où sont les Blu-ray. Ils sont là-dedans. Les trois sont là-dedans, quoi. Vous avez vu? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Honnêtement, on nous met ça dans un espèce d'appareil à raclette, un truc à fromage, un truc pour faire des hamburgers ou je sais pas quoi, pour faire des toasts. Putain, c'est quoi ça? Et c'est vrai que, on va se le dire clairement, c'était nul à chier. Donner un avis sur un collector, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Quand c'est bien fait, c'est mieux. Le Hard Corner, encore une fois, de Benzaï, c'est bien fait, ça a de la gueule. Donc c'est pour ça que c'est plus agréable à regarder. Moi, ce que je faisais, j'en avais rien à foutre. Allez, hop, terminé, hop, je mets en route, hop, c'est bon, c'est pas bon, tac, terminé, j'envoie. Hop, je faisais rien d'autre. C'était vraiment. J'en avais rien à foutre, je mettais la vidéo point barre. Et pourtant, ça a fonctionné. Comme quoi, bah, on le dit souvent, les vidéos les moins préparées sont peut-être celles qui rapportent le plus, ou en tout cas, qui vont te surprendre le plus, clairement. Et pourtant, c'est celles que tu as préparées le moins. Bon, c'est vrai que j'aimerais pourquoi pas revenir sur un principe d'unboxing vidéo, même si je voudrais vraiment changer la formule, un truc un peu plus humoristique, un peu plus, peut-être même en plus sous un côté spot TV. Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas envie de faire comme les autres. Donc c'est pour ça que l'idée pour l'instant, j'en ai aucune. J'aimerais bien avoir le petit truc, tu vois, qui me fait dire, ok, c'est bon, je l'ai, j'ai l'idée, je vais le faire. On n'y est pas, hein, on n'y est pas encore, donc tant qu'à faire pour l'instant, ben, je ne fais rien. Voilà, je ne fais rien pour éviter tout problème. Et puis ça aussi le développement de la plateforme Twitch. Parce que ça y est, j'ai commencé à faire des lives à ce moment-là. Bah, quelques mois après, hein, évidemment, ce n'était pas cette année-là 2016 et par rapport à YouTube, mais c'est là aussi où j'ai commencé à me mettre au live, avec pas vraiment de succès, on va le dire clairement, c'est une petite catastrophe, ça ne marche pas vraiment. Globalement, là où j'ai eu le plus de succès sur un live, c'était 300 viewers, plus de 300 viewers pour le live d'Until Dawn, qui a très bien fonctionné parce que je l'ai fait la veille de la sortie du jeu et je l'ai fait d'une traite. On avait fait ça le début d'après-midi et ensuite on a
continuer ça jusque fin de soirée, début de nuit, jusque 1h, 2h du matin. Mais on a kiffé, on était alors vraiment nombreux. Alors fais ci, fais ça, et donne ci, donne ça. C'était juste énorme ici, mais c'est vrai que ce moment-là était vraiment cool. Après, voilà, on tournait aux alentours de 4, entre 80 et 120 viewers selon le jeu, du Dying Light. Il y avait aussi du Super Mario Maker qui rapportait pas mal. Et puis, bah, là, faut le dire, putain, les postillons que j'ai à te balancer, c'était dégueulasse, c'est énorme. Et là, faut le dire clairement, bon, on est dans une pente descendante, clairement, on est à 50 viewers, c'est nul, c'est pas très bon. Mais le paradoxe, bah, c'est que les 50 viewers, ce sont des habitués. Les habitués qui sont là, qui sont tout le temps là, et qui sont là même quasiment à chaque fois, que ce soit Xolmas, ce soit Olex, Stauffenberg, Okrad, Tunable Orc, Emirose, que je fais un coucou au passage, Morgan, Draker, Fusode, j'en passe et des meilleurs. Il y en a plein, évidemment, je ne vais pas tous vous citer. Rage aussi qui est là, Nigmatic qui passe également. Laissez-moi chercher, laissez-moi chercher. Putain, laissez-moi chercher, il y en a tellement plus. Max, Psychomantis, Agrume et plein d'autres. Je vous oublie, malheureusement j'en oublie plein, je suis désolé, mais vous savez que je pense à vous, parce qu'à chaque fois je fais référence à vous. Tsumishi, Shishi, bien sûr. Bref, vous êtes nombreux quand même à être fidèles. C'est au moins le principe, c'est ça qui est bien. Ah, on est vraiment sur les routes, quoi. Eh, ah, oh, il y a des panneaux. Ah putain! Oh non, mais même ça, quoi. Mais lol. Voilà. Ah bah tiens. Ah, c'est des radars! D'accord. Oh putain. Mon dieu. Eh, mais c'est vraiment hallucinant. Voilà, c'est bon. Allez, le petit. Ah merde, je peux pas. Le gros. Hop, fais venir le petit. Attention, le petit! Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Le fait que ça fonctionne pas trop, je pense que c'est aussi parce que la connexion déjà n'est pas là. Donc j'ai pas une bonne connexion en upload. Donc forcément derrière, en termes de qualité, c'est dégueulasse. Faut dire les choses clairement, c'est vraiment nul à chier. C'est pixelisé de partout, je suis obligé de raccourcir la vidéo, enfin en tout cas de la réduire. C'est mauvais. Peut-être aussi parce que je suis pas fait pour ça. Peut-être aussi, il faut quand même le dire, il y a des gens qui le font très très bien, des vrais entertainers, des vrais streamers qui sont là pour faire venir le public, mais aussi, surtout principal, le faire rester. Il y a des gens qui le font très bien, Bibix le fait extrêmement bien avec ses lives sur DayZ, Mister MV s'en sort extrêmement bien, Ken Bogard, Atomium, KD, GE2, j'en passe des meilleurs. Ils sont très nombreux à faire cela, et même Mister Cool avec son émission s'en sort lui aussi très bien. Bref, ce sont des gens qui arrivent justement à fédérer une communauté pour que ces gens-là soient là, présents, mais aussi pour pouvoir rester. Et c'est ça qui est cool. Je pense que c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de ce genre de live en l'occurrence. Donc, je pense que ça peut-être ça vient aussi de ça. J'arrive pas à fédérer vraiment une communauté forte, mais le paradoxe, c'est ça se tient bien, c'est respectueux, ça fonctionne bien, il n'y a pas de débordement et on voit tous les commentaires. Donc c'est peut-être à la limite un mal pour un bien. Voilà. Donc je suis pas extrêmement déçu parce qu'encore une fois, je fais un live toutes les semaines, voire même un live parfois toutes les 2 semaines. Donc peut-être aussi pour ça que j'arrive pas à fidéliser les gens parce que je n'en fais pas énormément. Mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. C'est pas ma priorité une fois de plus. Et même en arrivant sur YouTube, je me suis dit, bon, comment ça se passait avec les networks et tout ça? Donc j'ai trouvé un network qui arrive à prendre bien ce qu'il faut au niveau des droits d'auteur, même si parfois ça passe pas, hein. Souvent les vidéos de Nintendo, bam, allez, tiens, prends-toi ça dans la gueule. Vous savez comment ça se passe avec Nintendo. C'est encore une fois, je m'en fous parce que bon, au final, si c'est pour toucher 1 € par vidéo, bon, ah, voilà, non. Non, c'est pas grave, je vais pas m'énerver pour ça. Et je peux comprendre la position de Nintendo vis-à-vis de ça, même si le débat est extrêmement large, extrêmement compliqué. Et puis surtout, voilà, j'ai pas énormément de vues par rapport à Dailymotion, mais je suis dans une continuité. Le fait que, par exemple, je suis toujours entre 2000, 3000, 4000, 5000 vues, j'arrive à parfois 6000, 8000, voire 10 000 selon la vidéo, bah c'est bien. C'est bien parce qu'au final, même si ce serait très bien, plus, je dis pas, je crache pas dans la soupe, hein.
Et ce serait évidemment très bien. Par rapport aux dernières années de Dailymotion, bah, je suis dans le même état d'esprit et la même. Voilà, je suis au milieu, c'est-à-dire ni trop haut ni trop bas par rapport à ce que j'avais auparavant, ça se passe. Voilà. Et c'est vrai que je voudrais revenir un peu là-dessus, sur cette dynamique justement de le fameux ratio vue et talent. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, ah ouais, mais putain, t'es pas comme Neito, t'es pas comme JDG, t'es pas comme tous les autres, t'as pas su vraiment y arriver. Voilà, t'as pas su décoller, t'as pas su exploser par rapport aux autres, et tu t'en sors pas, et t'y arrives pas, et voilà, tu n'as pas assez de vues, tu n'as pas assez d'abonnés. Et à chaque fois, je réagis, je me dis, mais c'est ça en fait la dominante aujourd'hui des gens. En fait, en gros, pour faire simple, on se dit, bah, plus tu as de vues, plus tu as d'abonnés, plus tu es légitime, plus tu es talentueux, plus tu es célèbre. Il n'y a pas quelque chose qui va pas là dans cette manière de faire? Je rappelle simplement une chose, Justin Bieber, pour ne prendre que lui comme exemple, a des milliers, des millions de vues, des millions d'abonnés. Est-ce qu'il a du talent? La question mérite d'être posée. La question mérite d'être posée. Moi, je vais être très clair là-dessus. On peut évidemment me dire que je n'ai pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés. C'est vrai. Et j'ai envie de vous dire, je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que j'estime que le ratio vues et talent n'est peut-être pas celui qu'on croit. Avoir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés n'est pas proportionnel au talent. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Il suffit de voir pas mal de chaînes qui, justement, font parfois pas mal de merde, pas mal de gros trucs dégueulasses. Des chaînes qui sont sponsorisées par tous les éditeurs et qui font qu'aujourd'hui, bah, elles sont vues par des milliers de gens. Est-ce que c'est proportionnel à du talent? Non. Bon, en tout cas, personnellement, je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Ce n'est pas en tout cas du talent. Ce n'est simplement que du marketing. Et c'est ça la différence. Le talent et le marketing, un vrai bon marketing peut être bien meilleur qu'un vrai talent. Réfléchissez un peu à ça. Oui, bien sûr, vous pouvez trouver évidemment des chaînes de ASMR où vous allez chuchoter en ouvrant un paquet de chips et ça va faire des milliers de vues. Des putains de vidéos de brocantes où les mecs, ah bah tiens, j'ai trouvé une pomme de terre à 5 euros, j'ai fait une affaire. LOL! Et ça fait des milliers de vues. Aujourd'hui, on se dit, bah ouais, mais c'est peut-être ça qui fonctionne aujourd'hui. Mais la faute à qui? La faute à qui? La faute à quoi? J'estime encore une fois, donc, et je le répète une fois de plus, qu'en effet, c'est pas parce que tu as des milliers et des millions de vues et d'abonnés que tu as forcément du talent. Parce que le talent, parfois, malheureusement, bah, il n'explose pas. Voilà, et parfois, ça ne marche pas. Il faut quand même dire les choses. Il y a des tas de talents qui sont sur Internet qui ne marchent pas et qui ne fonctionnent pas, ou qui, en tout cas, pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer et qui mériteraient beaucoup plus. Et pourquoi ils ne sont pas mis en avant, pourquoi ils ne sont pas mieux vus? Parce qu'ils ne tombent pas dans le piège de la vidéo facile, de la vidéo buzz, ou en tout cas de la vidéo qui ne sert à rien, mais qui attire quand même la curiosité. On le sait tous très bien, les gens sont des putains de curieux. Et en gros, qui est fautif dans cette histoire? Quand on voit des vidéos comme ça dégueulasses qui sont sur le net, comme je vous l'ai dit précédemment. La faute à qui? À celui qui fait la vidéo? Qui doit se dire, bah attends, je vais quand même éviter de faire un peu de caca ou un peu de merde. Ou peut-être celui qui la regarde, la vidéo. Qui est le vrai fautif dans cette histoire? Moi, je vous pose la question. Pour moi, les deux sont fautifs. On a tous et toutes une responsabilité claire et nette. On ne peut pas se plaindre à longueur de temps de ce genre de vidéo poubelle si on passe son temps à les regarder. Si on passe son temps à les visionner, si on passe son temps à les partager. Et à chaque fois, on me dit, ah tiens, regarde cette vidéo, c'est de la merde. Non, les gars, vous êtes en train de tomber dans le piège de ces gens qui savent qu'ils font de la merde. Ils le savent. Ils savent très bien que c'est n'importe quoi quand ça joue avec la nourriture, quand ça fait des vidéos qui ne servent à rien, et comme je vous l'ai dit encore une fois précédemment. Ils sont peut-être même, à la limite, et je vais tenter la chose de le dire ainsi, ils sont peut-être même plus intelligents que nous tous. Plus malin que nous, peut-être pas forcément plus machiavélique, c'est un cran au-dessus, mais ils sont peut-être plus malins que nous tous, plus intelligents. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils jouent du système. Ils jouent du système, ils ont pris le système à bras-le-corps et ils leur font un espèce de gros fist en leur disant,
on est en train de jouer avec le système parce qu'on est en train de jouer de vous. Parce qu'on profite de votre crédulité, on profite parfois même de votre, et désolé de dire, de votre imbécilité, parce que vous tombez dans le piège. Moi-même, je suis tombé dans le piège. Moi-même, je suis un putain d'imbécile. Parce que j'ai eu aussi des moments où je regardais ce genre de vidéos, où je me disais, putain, c'est vraiment dégueulasse. Mais j'ai donné une vue. Et parfois même, j'ai donné de l'argent. Parce que bah, la pub, elle s'est déclenchée. Et j'étais bien dégoûté. Parce que je me suis dit, bah voilà, je suis tombé dans le piège. On est tombé dans le piège de celui ou celle qui a créé ce piège de toute pièce. Et c'est peut-être ça notre problème. Il faudrait qu'on se remette, qu'on ait un peu plus conscience de tout cela et qu'on se dise, putain, mais arrêtons de consommer de la merde et consommons différemment. Mettons en avant les gens qui le méritent. Mettons en avant les gens qui font du bon travail, qui font du bon boulot et pas ces gens-là. Comment voulez-vous aujourd'hui que ce genre de personnes soient invitées dans des salons alors que ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Alors que ce qu'ils font, c'est de la merde. Même si, évidemment, encore une fois, attention, je tiens à le préciser, on peut aimer la merde. Tu as le droit d'aimer la merde. Il y a une vidéo de Pindé qui disait ça. Tu as le droit d'aimer la merde. Et il a raison, tu as le droit d'aimer. Moi, je t'en veux pas. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en tout cas, moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on aime la merde à ce point-là. Donc, est-ce que c'est aussi une responsabilité de la part du vidéaste de faire autre chose que des vidéos poubelles? Peut-être. Est-ce que c'est une part de responsabilité aussi de la part du viewer de consommer différemment les vidéos, même si c'est pour se moquer? Parce que même en se moquant, bah, vous donnez du crédit à la vidéo. Peut-être aussi. Peut-être aussi. J'en sais rien. Je pense qu'il y a du pour et du contre dans les deux camps. Mais c'est aussi nous à... C'est aussi à nous de vraiment voir les choses différemment et essayer, pourquoi pas, de le voir ainsi d'une manière différente. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, clairement, je le dis, en effet, non. Ce n'est pas parce que tu as des milliers de vues et des millions d'abonnés que ce que tu fais, c'est bien. Que ce que tu fais, c'est... Parce que est-ce que tu es légitime? Non. Ben non, parfois, non. Parfois, ça ne se passe pas de cette manière-là. Et pourtant, il y a des gens qui ont des milliers de vues et qui pourtant font un travail exceptionnel. Naito, il a toujours fait du bon boulot, il est toujours resté lui-même, très bien. Le JDG, on a beau dire ce qu'on veut, ce qu'il fait, c'est bien. Parce que ça reste quand même de qualité, malgré tout. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, il y a encore une fois ce genre de choses. Le fossoyeur de film, pareil, c'est un mec, quand il parle, il sait ce qu'il dit, il donne envie. Il y a vraiment ce petit quelque chose en plus. In the Panda également, même Durandal, je sais qu'il s'en prend plein la gueule. Plein la gueule, parce que oui, parce que non, mais ce qu'il dit, il le fait. Voilà, et il n'y a pas peur de dire « c'est de la merde hein. ». Je me souviens de la dernière vidéo sur Ratchet & Clank, le mec n'a pas hésité à dire « c'est de la merde !» Voilà, c'est du gros caca. On aime des gens comme ça, des gens qui n'hésitent pas à dire les choses, qui n'hésitent pas à y aller. Et pas des putains de vidéos sponsorisées en disant « ouais, mais les gens sont passionnés, on les a juste aidés à faire mieux ». Non, non les gars, non. Non, ça marche pas comme ça. Des putains de vidéos sponsorisées, je l'ai toujours dit, ça c'est le cancer. C'est le cancer de la vidéo sur Internet. Parce qu'en plus, quand c'est caché, c'est encore pire. Parce que ça veut dire que le mec n'assume même pas. T'as envie de lui dire, mec, t'assumes pas ta vidéo sponsorisée. T'as pas de couilles. T'es juste une merde. Tu n'as pas de couilles. T'es juste là en train de te dire, ouais mais attendez les gars, je fais ça par passion. Non, tu fais ça pour le fric. Tu fais ça pour la thune. Tu fais ça pour le blé. Assume. Assume le fait que tu fais ça pour le fric. Et pas parce que juste t'en as envie. Juste pas par passion. Parce que honnêtement, il y a une minorité bruyante de gens qui sont comme ça. Qui se disent, je suis passionné. Puis en fait, ça te fait un bon petit... Alors si tu vois, ça te fait ça, comme ça. Tu vois, ça te brosse le poil. Puis après, bam! Allez, tiens, boum! Ça t'encule à sec. C'est comme ça. Ça se passe exactement de la même manière. Donc là, tu te dis... j'ai compris ton petit jeu. Et à la limite, j'irais même un peu plus loin que ça. J'ai peut-être même plus de respect pour celui qui assume le fait de faire des vidéos pour le fric que celui qui n'assume pas, celui qui cache, celui qui est hypocrite. Parce que putain, l'hypocrisie dans ce milieu... Ah, je peux vous dire qu'il est à un sacré haut niveau. Ah ouais. Ah, il est à un sacré haut niveau. On ne peut pas parler de gens, normalement. On ne peut pas critiquer les gens parce que, limite, ça ne se fait pas. On ne peut pas critiquer les autres youtubeurs, les autres vidéastes. Ça ne se fait pas. C'est pas bien. C'est pas respectueux.
Donc, en gros, pour faire simple, on se retrouve dans un milieu qui est complètement aseptisé, où on n'a plus le droit de critiquer les autres parce qu'on n'a pas aimé tel ou tel point en argumentant. Évidemment, en argumentant. C'est quoi le problème? On est où là? On est dans une dictature, on n'a plus le droit de penser ce qu'on a envie de penser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut même plus prononcer le nom de certaines personnes, parce qu'on sait très bien qu'après nos vidéos, elles vont se faire dégager. Parce qu'on n'a plus le droit. Parce qu'on n'a plus le droit de donner son avis. Même quand c'est un minimum, quand même, expliqué, argumenté. Ben non. Sans se faire avoir par les milliers de fans qui vont te tomber dessus. Ouais, ce que tu fais, c'est de la merde. On est là. C'est pas bien, machin et tout ça. Et là, tu te dis, bon, bah, ça y est, j'ai compris. C'est un milieu qui est extrêmement hypocrite. C'est un milieu où on est tous amis. Ah, oh, mon ami, je t'aime bien, je t'adore. Oh, t'es mon ami, je te kiffe. J'adore ce que tu fais depuis des années. Puis après, à la fin, va te faire foutre. En fait, je pensais pas du tout ce que tu fais. En fait, j'en ai rien à foutre, machin. Et... C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue de voir en arriver là. Mais moi, j'ai pas envie d'en arriver là. Je sais très bien qu'aujourd'hui, je pourrais balancer des noms. Je ne peux pas le faire parce que je sais très bien que derrière, on va me tomber dessus. Et peut-être même que cette vidéo, vous ne la verrez peut-être pas. C'est triste. C'est vraiment triste. Vraiment, vraiment triste. Donc, vraiment, je crois que c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est que, encore une fois, il y a des gens qui méritent par rapport à leurs vues, par rapport à leurs abonnés, par rapport à leur talent. J'insiste encore une fois parce que c'est vraiment la source ici de la chose que je veux mettre en place. Puisque vous verrez, dans la prochaine vidéo, on va aller un peu plus loin dans le sujet. Parce que là, je vais vraiment parler de l'évolution du jeu vidéo. Je vais vraiment parler des partenariats, des revenus, des vidéos sponsorisées. Donc on va aller un peu plus loin dans le sujet. Parce que là, c'est vraiment juste le ratio vues et talent que je voudrais mettre en place dans cette vidéo. Et donc, je pense honnêtement que c'est à nous de voir les choses différemment aussi et d'essayer vraiment de traiter la chose d'une manière complètement spécifique et pourquoi pas aussi de consommer de manière différente. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les vidéos de petites personnes, de gens qui sont peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut attendre, l'énigmatique, les L4, les gens qui n'ont peut-être pas forcément vraiment le truc qui permet de les faire décoller. Des gens qui pourtant méritent. Des gens qui pourtant méritent. Mais pourquoi ils ne sont pas mis en avant comme ça? C'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas de talent, soi-disant. C'est juste parce que ben, ils ne sont pas dans le moule. Ils ne sont pas dans cette caste. C'est horrible de dire ça, mais c'est limite ce qu'on est obligé de dire. Dans cette caste de personnes qui est au-dessus et il y a les autres. Parce que tu ne fais pas partie du milieu, parce que tu ne fais pas partie de ce regroupement de personnes qui s'aiment entre eux, mais pas totalement, parce que, mais il faut pas le dire, parce que sinon après, ah là là, mon Dieu, ça risque d'être problématique pour les sponsors, les partenariats et l'argent. Non, non, les gars. Il y a des gens qui disent les choses. Il y a des gens qui doivent dire les choses. Il y a des gens qui doivent garder leur personnalité, qui doivent rester eux-mêmes. Et je crois que ces gens-là, malheureusement, on ne les entend pas assez. Et c'est peut-être ça le bas qui blesse aujourd'hui dans notre monde, aujourd'hui en tout cas dans le milieu de la vidéo, sur Internet. Et ça, c'est bien dommage. Et vous vous rendrez compte de toute façon, par la suite, et dans la prochaine vidéo qui va suivre, bah, que malheureusement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et que je ne sais pas honnêtement où on s'en va, mais s'il y a bien un endroit où on va, à mon avis, c'est droit dans le mur. C'est dommage parce qu'il y a de bonnes choses, mais il y a tellement de choses à changer, tellement de choses qui ont évolué malheureusement trop vite. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être un petit peu finalement le sujet. Et de se dire, ben, est-ce que ça n'a pas évolué trop vite ce milieu? Est-ce que finalement on n'est pas en train d'aller droit dans le mur? La question mérite d'être posée vraiment. Mais vraiment, vraiment.